Alors, on s'assure d'avoir un matelas ou une serviette, puisqu'on sera longtemps sur le dos. Et c'est parti, on va faire 20 crunchs réguliers. Donc, on pense à amener le bas du dos bien au sol. On veut le coller au sol et que le nombril soit lui aussi vers le dos, vers la colonne. Et on continue à regarder vers le haut. Les bras sont là pour nous soutenir. On ne veut pas forcer du coup. Puis on va mettre les mains sur le côté pour travailler les obliques. Donc, je viens bien chercher ma main pour aller vers mon pied. Donc, de chaque côté, l'objectif, aller le plus loin possible vers mon pied. C'est les abdominaux, mes obliques sur les côtés qui engagent le mouvement. Le bas du dos toujours dans le sol. Et on va refaire cette série, donc 20 crunchs et ensuite les obliques de chaque côté. On continue aussi de respirer, c'est bien important. Et les mains sur le côté. L'objectif aussi, c'est de vouloir que les omoplates ne touchent pas le sol. Donc, on contracte bien pour monter, les omoplates ne touchent pas au tapis et on va de chaque côté. Ensuite, on va faire des ciseaux. Donc, ciseaux vers le bas, puis on remonte ciseaux vers le haut. Donc, on pense vraiment bien que c'est les cuisses qui veulent croiser, pas seulement les chevilles, vraiment les cuisses. Et le bas du dos reste dans le sol tout le long. Donc, si le bas du dos décolle, oh, on va un petit peu moins loin dans la descente. Puis, ciseaux. On peut plier un peu le genou si la flexibilité ne nous permet pas d'avoir une jambe droite. Et on va chercher chacun de nos genoux. Ça travaille beaucoup le bas des abdominaux. On va pouvoir se remonter ensuite pour venir porter le coude de chaque côté. Donc, on est en position V et on appuie bien derrière, toujours le nombril vers la colonne. Et on va terminer avec 1 minute de planche. C'est parti. Donc, dans la planche, on s'assure d'avoir un alignement avec la tête et les fesses. On veut pas que les fesses soient plus hautes ou trop basses. On veut pas un chameau ni une banane. On veut une ligne bien droite. On pense à engager les abdominaux. Donc, le dos est tout droit. On veut pas une courbe. On veut pas que ça creuse. Donc, on engage les abdominaux. On sort les fessiers. On est une planche. On a pas mal la moitié de fête. On lâche pas, gang. On s'assure d'appuyer bien aussi dans les coudes pour pas que nos épaules entrent et qu'on perde notre cou. C'est presque fini, on tient bon. Voilà.